Grâce à Fenty, son empire des cosmétiques, la chanteuse Rihanna entre désormais dans le classement Forbes des milliardaires. Business, Good Girl Gone Rich. La chanteuse originaire de la Barbade, Rihanna vient d'intégrer un club très sélect. Et ce n'est pas directement grâce à sa musique. La chanteuse de Fenty est désormais milliardaire, annonce ce mercredi 4 août le magazine Forbes qui l'a immédiatement intégré à son classement des plus grosses fortunes mondiales. Point muée en véritable femme d'affaires depuis plusieurs années, Rihanna qui n'a pas sorti d'album depuis près de 6 ans avait été déjà la première femme à lancer une marque, Fenty au sein du groupe Louis Vuitton ou Hennessy. Et d'ailleurs si elle a pu se hisser dans le classement très fermé du magazine, c'est bien grâce à cette marque de cosmétiques, dont elle détient 50% des parts. La société vaut désormais près de 2,8 milliards de dollars. La force des produits réside notamment dans le fait qu'ils sont disponibles pour toutes les carnations. Dès 2018, après sa première année de lancement, le succès était au rendez-vous, souligne Forbes, avec plus de 550 millions de dollars de revenus générés. À cela s'ajoute une ligne de lingerie Savage X Fenty, estimée à 270 millions de dollars. Légère ombre au tableau, en février dernier, Rihanna et Louis Vuitton ou Hennessy ont annoncé la fin de la gamme de prêt-à-porter Fenty. Pas de quoi cependant enrayer l'ascension de la star de 33 ans qui pèse donc désormais 1,7 milliard de dollars. Elle devient de fait la chanteuse la plus riche du monde, et la deuxième femme du showbubusine la plus fortunée juste derrière l'animatrice Oprah Winfrey. Elle devance également le rappeur Kanye West, qui évolue lui aussi dans le domaine de la mode et dont la fortune a été estimée à 1,3 milliard de dollars. Point un succès financier qui s'ajoute évidemment à son important palmarès en matière de musique et sur les réseaux sociaux, où Rihanna compte plus de 100 millions de followers sur Twitter et tout autant sur Instagram.